Voilà, il y a deux façons de sentir le temps, c'est l'urgence ou l'ennui. Et je pense aussi que le déconfinement va montrer comment chacun a vécu cette aventure, et en fait, on le sait pas très bien. 4h40 en moyenne chaque jour, elle est redevenue votre meilleure amie. La télévision, jamais les Français n'ont passé autant de temps devant le petit écran. Je me reposais d'avoir parcouru 10 années-lumière entre ma cuisine et mon salon par rapport au soleil à l'échelle de l'univers. Je me souviens quand dimanche était jeudi, oh, lundi, vendredi et mardi le dimanche sauf pour la boulangerie. J'écoutais le fracas des vagues épidémiques. Petit déjeuner, ma peau frétillait au vent des nouvelles radiophoniques. Des embruns de radio. Soleil par ma fenêtre, printemps dans ma tête. Oh, le pollen s'envole. Pas assez haut pour que je puisse éternuer. C'était pendant qu'on avait le temps, en attendant d'en avoir plus. C'était pendant qu'on avait le temps, bientôt fini, rien à souvenir. D'avoir l'impression d'être au Royal Monceau. Réflexion au lit, me lever lundi ou mardi, penser à ce qui se lever lundi et puis mardi.